Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Je suis le leader d'Ève depuis la République du Congo. Je vais m'adresser ici à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, y compris ceux qui me suivent sur d'autres réseaux sociaux. Vous regardez, aujourd'hui nous sommes le 3 juin 2000, le 3 juin 2022. Voilà, j'ai 50 000 dollars. Ça veut dire que j'ai réalisé le chiffre d'affaires de 50 000 dollars. Je suis passé au deuxième grade dans Shinsu. Voilà le nom du deuxième grade. Le deuxième grade, c'est ça là. Il est où d'abord? Il est où le deuxième grade en question? Danjing. Ça, c'est le deuxième grade. En passant à ce grade-là, l'entreprise m'a payé 1 000 dollars cash. Tu vois les pièces là? Attends, je vais te montrer les retraits que j'ai fait tout de suite là même. Il y a déjà quelques retraits que j'ai réalisés. Je viens sur historique. Regardez. Le 3 juin 2022. J'ai fait un retrait de 100, de 50 dollars. Le 3. Le même 3. J'ai fait un retrait de 100 dollars, donc 150 dollars que je viens de faire retrait, mais tout de suite là. Maintenant, regardez le nombre de pièces qui me restent. Je clique sur withdraw. On va regarder la valeur. Voilà les pièces. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc quand je mets ces pièces là, vous allez voir la valeur de ces pièces maintenant là. Pour vous dire que dans la vie, quand vous êtes en face d'un business, un projet, prenez le temps de le développer. Ça me fait 5 mois que je suis dans Shinsu. Moi, je m'en fous des gens qui voient arnaque pyramidale. Moi, je m'en fous d'eux. Voilà, j'ai 831 dollars ici. Prêt à récupérer. Ça veut dire que si je veux récupérer cet argent-là, je mets l'adresse là, je lance le retrait. C'est instantané et ça va être payé. Voilà. Parce que dans la vie, il faut être intelligent. L'intelligence, ce n'est pas seulement avoir les diplômes. Et donc ici, chaque mois, l'entreprise va me payer ici 500 dollars en passif pendant 8 mois. Combien de clients j'ai dans le projet? Parce que ici, il s'agit d'une crypto-monnaie qui est vendue en vente privée. Donc, si tu, grâce à ton lien d'affiliation, tu vends par recommandation, tu es payé. Je suis à 1280 clients dans mon équipe. 1280 en 5 mois. Ça veut dire que je bosse dur. Je ne suis pas quelqu'un, quand il découvre un business, il vient s'asseoir. Non. Moi, quand je viens, je découvre un business. Regarde d'abord le nombre de pièces que j'ai là. Voilà la date d'aujourd'hui. Le 3 juin. Le 3 juin. Le 3 juin. J'ai acheté combien de pièces? Voilà des milliards, des millions de pièces que je viens encore d'ajouter. Voilà. Voilà des millions de... Regarde ici. Le 3 juin là, avec 100 dollars, j'ai dépensé 100 dollars pour acheter combien de pièces? 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour acheter 106 millions de pièces que je viens d'acheter. Alors, en achetant ces pièces, l'entreprise me dit quoi? En dépensant 100 dollars pendant toute la durée du staking, je vais recevoir 500 dollars parce que l'entreprise a modifié son plan de carrière. Et ici, dans les 500 dollars, j'ai déjà reçu 357 dollars. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre une chose que dans la vie, là, pendant que tes pièces sont en staking, chaque jour, tu gagnes les pièces supplémentaires. La vie est une question de choix. Il faut être intelligent. Donc, mon gars, toi qui vois arnaque, écoute-moi bien. C'est la vidéo, je m'adresse à toi. Toi qui vois arnaque pyramidale, sache-le que une ICO est légal. C'est à travers une ICO est créée les crypto-monnaies. Ethereum, le Ripple, le BNB et d'autres crypto-monnaies que toi tu connais et tu connais les fondateurs. Pour certaines crypto-monnaies, c'était des ICO. Est-ce que tu as compris? Le lien de parrainage te permet d'aider à l'entreprise de vendre. Quand quelqu'un passe par ton lien pour venir acheter sa crypto-monnaie, c'est légal que l'entreprise te paye. Si toi, tu ne connais pas ça, c'est ton problème. Maintenant, si toi, tu penses que le parrainage, c'est arnaque, c'est pondi,
ton Modia matin, midi, soir. Voilà. Je vais te servir ça gratuitement comme ça. Et puis, hein, même si tu voyais mon lien, il ne faut même pas venir t'inscrire. Tu as compris? Parce que le projet Shinsu, je suis en train de partager ce projet-là aux amoureux de la crypto-monnaie. Les gens qui savent qu'aujourd'hui, c'est le NFT et le Metaverse. On en parle partout. Ce matin même là sur RFI, j'étais en train de suivre un débat sur les NFT et les Metaverse. On te parle, tu ne comprends rien. Comme tout ce que tu sais faire dans ta vie, c'est Ponzi, c'est arnaque. Tu as vu 831$? Là, toi, tu as 831$ en ce moment-là où je te parle. Là, peut-être toi, tu ne connais pas la valeur de 831$. Je vais te calculer ça ici. C'est bien. Moi, je viens, je te parle de Shinsu. Depuis février, toi, tu fais la gueule. J'ai 831$ multiplié par 600. 498 600 français. Donc, il manque combien? Il me manque ici à peine 2400$. Non, 2400 francs CFA pour faire 500 000 francs CFA. Tu as vu, non? C'est ça. Et ici, chaque mois, l'entreprise va me payer 500$ chaque fin de mois pendant 8 mois en passif durant toute la période du staking. Si le staking finissait avant le 8 mois là aussi, il n'y a pas de problème. Mais au moins chaque mois, assis comme ça, tu reçois en passif, l'entreprise te paye. C'est ça la puissance de ce projet-là. Donc, quand on vous parle, il faut écouter. Et puis, si toi, tu regardes arnaque Ponzi pyramidal, faut même pas venir te lancer dans ce projet-là. Si toi, tu penses que aujourd'hui les gens publient les résultats, et quand tu vois quelqu'un réussir dans un business, il vient te dire, ah mon frère, voilà ce que j'ai gagné. Non, il bouffe derrière les deux les gens. Ton maudit à matin, midi, soit tellement trop bête là. Pas avec mes vidéos, pas sur mes vidéos. On ne t'a pas appelé dans Shinsu ici. Voilà. Les Shinsu, c'est un projet qui est réservé pour des Africains très, très, très intelligents. Ceux qui savent que toute crypto-monnaie qui est listée, toute crypto-monnaie qu'on connaît les fondateurs, c'était des ICO. Et quand on fait une ICO, le but de l'entreprise, c'est ce n'est pas communiquer à travers les médias pour payer la publicité. L'entreprise a lancé le lien d'affiliation, c'est pour permettre quiconque qui va l'aider à trouver des clients qui viendront acheter sa crypto-monnaie, ces personnes seront payées. Voilà, c'est comme ça que les ICO fonctionnent. Maintenant, si toi, tu ne comprends pas tout ça là, je pense que c'est arnaque là. Je dis encore ton maudit matin, midi, soir. Voilà, je t'ai servi ça cadeau comme ça. N'importe quoi. Tu as vu ça, non? En 5 mois d'activité, j'ai créé un salaire dans Shinsu. C'est pour dire quoi? Que toi, en tant que salarié, tu peux aussi avoir des revenus supplémentaires. Moi qui te parle, je suis salarié. Je suis dans les télécommunications. Il faut que je te dise ça. Je vais te servir ça sur un plateau. Mais voilà comment je viens de créer un salaire en crypto-monnaie. Chaque mois, Shinsu va me payer 500$. Donc, le prochain grade qui arrive, c'est quand je vais atteindre 125 000 dollars de chiffre d'affaires. Là, maintenant, je vais recevoir 3 000$ cash venant de l'entreprise. Et puis, chaque fin de mois, l'entreprise va me payer 1 250$ pendant 8 mois, durant toute la durée du staking. Donc, je ne plaisante pas. Je paye ma publicité Facebook. Je communique sur le projet. Mais comme vous, on vous parle, vous n'écoutez pas. Dans le groupe WhatsApp, je suis arrivé. Je vous ai parlé. Je vous ai dit, regardez le projet là. Oh non, on a fait EtherConnect. EtherConnect nous a déçus. Quand je leur pose même la question de savoir, toi qui ouvres gardement ta bouche là pour dire que EtherConnect a déçu, toi tu as acheté combien de millions de pièces? Moi dans mon pays, au Congo Brazzaville, ici, il y a une dame qui a pris le risque dans EtherConnect. Elle a pris 2 000$, elle a acheté 10 millions de pièces de EEC. Quand le EEC était listé, 5 jours après, le EEC est passé à 0,070 centimes de dollars. Elle a multiplié sa fois les 10 millions de pièces qu'elle avait. Elle s'est retrouvée avec 700 000$. Elle a converti sa chap-chap en BNB Smart Chain. Elle s'est tapé 420 millions de francs CFA juste avec un investissement de 1 300 000 qui est équivalent de 2 000$. Maintenant, toi qui dis que EtherConnect t'a négligé, t'as déçu, toi tu as acheté combien de millions de pièces? Imbécile. Quand on connaît rien, quand on est paresseux, toi je pense qu'on vient dans une ICO pour venir acheter 10 000 pièces. Une ICO, le prix est dérisoire. Pour les gens qui comprennent, quand ils sont arrivés dans une ICO, ils ne viennent pas pour acheter 10 000 pièces, hein, ils viennent pour acheter des milliards de pièces. C'est pour cette raison que j'ai raté l'opportunité EtherConnect. C'est pour cette raison, dans Shinsu, j'ai maximisé. Tu ne vois pas que chaque jour j'achète des pièces. Pourquoi? Tu penses que moi, je n'ai pas besoin d'argent? Je n'ai pas besoin de faire des retraits. Mais pourquoi j'ai continué d'acheter des pièces? C'est parce que moi-même, je connais là où je veux. Je ne te demande pas de faire comme moi. Je regarde les dates. Regarde d'abord les montants. On prend à partir de 50 ici, 150. Donc, regarde, 200$ le même jour. Voilà la date. Le 3, le même jour. J'ai acheté pour 250$. Pour 200$. Maintenant, le 2, c'était quand? Le 2, hier. Hier, j'ai encore acheté pour 50$.
pour 50 dollars. Donc, tu penses que moi, je n'ai pas besoin d'argent. Tout cet argent que j'ai investi en achetant des pièces ici-là. Je devais les retirer pour aller acheter même mon pain avec. Mais pourquoi j'ai investi? Pourquoi j'ai acheté mes pièces? C'est parce que moi-même, je connais le pourquoi je fais ça. Je ne te demande pas de faire ce que je fais. Mais je vais te parler sérieux. Donc, que ce soit pour la première fois et la dernière fois, que tu viennes sous mes vidéos pour venir raconter arnaque, ponzi, pyramide. Parce que moi, des dieux aussi, je n'aime pas. Si toi, tu es bête, il faut aller faire ça chez toi, chez tes parents. Voilà. Si tu ne sais pas comment une crypto-monnaie est créée, tant pis pour toi. On vient ici pour expliquer aux gens que voilà des opportunités, voilà comment la crypto-monnaie peut changer ta vie. Faut prendre le risque si tu le veux. Voilà. Si toi, tu as peur de perdre de l'argent, faut pas faire un business. Tout business est un risque. Tu comprends? Il y a des gens qui ont fait l'élevage, ont acheté les poussins. Ok? La maladie est arrivée, crise, paf, tous les poussins sont décédés. Et quoi? C'est un risque. Tu peux acheter une voiture comme ça. Tu peux dire, bon, je vais faire un taxi, transport en commun. Un bon matin comme ça, on t'appelle que ta voiture a fait accident. Tu dois faire quoi? Tu dois arrêter d'investir dans le transport. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si toi, tu passes tout ton temps en train de regarder arnaque, ponzi, pyramidal, ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je vais te dire ça aujourd'hui. Voilà. Comme vous voulez voir, moi, là, en ce moment-là, je suis payé chaque mois grâce à ce projet. Faut encore venir dire arnaque, MPC. Je vais te bloquer sur ma vidéo. N'importe quoi. Eh bien, les gars, pour tous les amoureux de la crypto-monnaie, j'ai laissé le lien en dessous de la vidéo pour ceux-là qui veulent se lancer dans Shinsu et acheter la crypto-monnaie. Tu n'as pas besoin d'investir 1 million ici. Non, c'est faux. À partir de 30 000 francs CFA, regarde le pack en question, ça est là. 30 000, ça fait 50 dollars, ça est là. Buy package. Quand je viens là, ça est là. 50 dollars. Donc, à partir de 50 dollars, tu peux acheter tes pièces. Pour le moment, j'ai fait un achat de 50 dollars aujourd'hui même là. Regardez le nombre de pièces que ça m'a donné pour le moment. Pour le moment, vous voyez ça, 50 dollars, ça m'a donné 53 413 096 pièces de Shinsu avec 50 dollars. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cher ami, la vie est une question de choix. Ici, le parrainage n'est pas une obligation. Tu viens, tu achètes tes pièces sont en staking parce que c'est comme ça qu'une crypto-monnaie est fabriquée. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Avant que la crypto-monnaie vienne soit listée sur les plateformes d'exchange, ça passe d'abord par la vente privée, par des levées de fonds. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut aller faire des recherches sur YouTube, sur Google. Il faut apprendre. Il faut taper sur Google. Qu'est-ce qu'une ICO? Comment fonctionne un ICO? C'est là où tu dois voir que les Ethereum, les Ripple, les BNB étaient des ICO. Il faut aller faire des recherches au lieu de venir raconter des bêtises, que chaque chose que tu vois, que c'est arnaque, c'est ponzi. Voilà, on t'a pas appelé ici. Nous-mêmes, quand on vient se lancer là, tu vois des milliards de pièces que j'ai achetées là. C'est avec mon argent que j'ai mis dedans. Tu as compris ça? Donc voilà, je viens investir avec mon argent. Si moi j'étais cupide, je ne devais pas prendre le temps d'acheter des millions de pièces. Je devais retirer comme vous qui avez peur là. Moi, je suis déjà vacciné. Tu comprends? Parce qu'en 2023, j'ai perdu 23 millions de francs CFA. En 2021, j'allais dire, j'ai perdu 23 millions de francs CFA sur Internet. Et ça m'a fait ni chaud ni froid. Je n'ai même pas pleuré. Je n'ai même pas fait de ça un problème. Serez-vous là? Vous qui pensez que quand vous vous lancez dans un business, si ça ne marche pas, oh non, c'est le leader Intel, c'est lui qui faisait la promotion. Il a fait la promotion parce que celui qui est le propriétaire de l'entreprise, il fait son business. Quand un business ferme, sachez que tout le monde perd, y compris les leaders dont vous accusez là. On ne t'a pas appelé ici. Donc si tu vois mon lien, il ne faut même pas venir t'inscrire. Voilà. Si tu ne connais rien de la crypto-monnaie, ne t'inscris même pas. Si dans ta tête là, on a collé urine de hippopotame en ponzi et en pyramidal, faut même pas venir te lancer sous mon lien. Parce que moi, c'est foutaise que je n'aime pas. Voilà un projet où si tu es diplômé sans emploi, tu te concentres là-dedans, tu changes le cours de ton histoire. Non, non, non. Vous voyez seulement arnaque, ponzi, pyramide. On ne vous a pas appelé ici. Si tu es travailleur, va travailler là où tu travailles et tu attends ton salaire chaque fin de mois en banque. Voilà. Ici, là, il faut laisser la crypto-monnaie pour les preneurs de risques comme nous autres là. J'en ai terminé. Tu penses quoi? Je devais te caresser dans cette vidéo? Non. Il faut que je te dise la vérité. Ça m'a pris 5 mois pour rentrer dans le deuxième grade. Mais en 5 mois, j'ai traversé 2 grades. Puisque le premier grade où j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 20 000 dollars, c'était le 24 mars. J'étais payé à 200 dollars chaque fin de mois. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2022. Je suis rentré au deuxième grade où je me suis tapé 1 000 dollars cash venant de l'entreprise. Et chaque fin de mois, je serai payé à 500 dollars en passif. Donc ça, là, tu ne peux pas faire ça. Comment j'ai fait? J'ai communiqué, j'ai partagé l'opportunité, j'ai animé des vidéos, c'est tout. Maintenant, comme toi, tu as peur de communiquer, de parler de ton business, tu as honte. Il faut continuer à rester comme ça. Mais je t'informe tout simplement que la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Il faut continuer à blaguer avec la crypto-monnaie. On est ensemble. Ça va le dire depuis le Congo, pas ça. Mais oui. Les gars, on est ensemble. Hein.